dernière clé que je veux vous laisser dans cette session. Et s'il vous plaît, écrivez autant que vous le pouvez. Vous devez vous arrêter, vous asseoir et planifier si vous voulez réaliser votre vision. Le succès est une progression continue et ordonnée vers un objectif. Et la réalisation finale de cet objectif. Le succès, c'est d'arriver à l'endroit où vous avez déterminé que votre vision arrivera. Dieu désire vous voir réussir plus que vous ne le désirez vous-même. Et Dieu nous ordonne d'établir les objectifs qui nous mèneront à notre vision. Vous connaissez le principe. Celui qui omet de planifier, planifie d'échouer. Mais même cela n'est pas suffisant. Parce que beaucoup de gens font de beaux plans détaillés et ils ne les suivent pas à cause de la procrastination. La clé est que vous devez planifier votre travail et exécuter vos plans. Faire des plans, c'est la foi. Je l'ai compris il y a 21 ans. Faire des plans, c'est la foi. Écrivez-le en gros caractères. Et la foi, c'est faire des plans. Je ne le savais pas. En d'autres termes, la foi est la ferme assurance des choses que vous espérez accomplir. Et l'évidence des choses que l'on ne voit pas. Comment pouvez-vous me donner la preuve de quelque chose que personne d'autre ne peut voir? Il faut que cela soit dans un plan. En d'autres termes, la foi est la capacité de voir l'invisible en détail et de le substantialiser. La seule façon de substantialiser les choses invisibles, c'est de les écrire ou de les dessiner. Cela les transforme en substance. La capacité à documenter l'avenir, c'est la foi. Saisir ce qui existe mais ne peut être vu, c'est la planification. Dieu est un Dieu de foi. Nous en avons déjà parlé. La foi, c'est croire en les promesses de Dieu. La foi, c'est la conviction sur l'avenir. La foi, c'est être certain de ce que nous ne voyons pas physiquement. La foi exige un plan. Je ne suis pas convaincu que vous êtes sérieux dans votre vie tant que je ne vois pas votre plan. Les chrétiens sont des gens paresseux. Ils sont là juste pour subir la vie. J'en faisais partie. Mais j'ai découvert quelque chose de particulier que Dieu avait. Dieu ne planifie pas à votre place. Dieu a un plan pour vous, mais il ne planifie pas pour vous. La planification est la plus haute expression de la foi en Dieu. Notez-le. La planification est la plus haute expression de la foi en Dieu. Si Dieu vous dit de faire quelque chose, et si vous ne le documentez pas et vous ne planifiez pas de le faire, vous ne le croyez pas. Si vous croyez en quelque chose, alors vous ferez des plans. La planification est l'acte de capturer la volonté de Dieu pour votre vie. La capturer. La planification donne une définition à la foi. La planification tire les promesses de l'éternité vers le temps. Il y a des choses que j'ai sur papier que seul Dieu et moi croyons. Mais c'est sur papier. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai copié et donné à des milliers de personnes. Maintenant, ils y croient. Et cette chose qui était juste dans mon cœur est désormais dans leur cœur. Et cela se réalise. La planification tire les promesses de l'éternité et les met dans le temps. La planification documente la vision. La planification documente la vision. La planification documente la vision. Je ne suis pas impressionné par la grandeur de votre vision. Laissez-moi voir le plan. Sans plan, la vie n'a pas de définition. Sans plan, la vie n'a pas de sens. Sans vision, le peuple périt, dit la Bible. Un plan est une vision capturée. Sans vision, il n'y a pas de maîtrise de soi. Sans plan, on ne peut pas maîtriser son objectif.
Par conséquent, vous devez comprendre que la foi s'exprime dans la planification. Ainsi donc, la planification, c'est la foi. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Ainsi, la raison pour laquelle de nombreux plans ne se réalisent pas, c'est que plusieurs personnes ne donnent pas suite aux œuvres. Et dans ce sens, la planification sans les œuvres est un échec. Dieu est le meilleur exemple d'un planificateur de la foi. Pour Dieu, planifier et travailler, c'est naturel. Tout d'abord, Dieu a conçu le plan de rédemption, Éphésiens 1:4, avant le fondement du monde. Ensuite, il a documenté son plan, sa vision. Il l'a écrit dans la Bible. Puis, Dieu a mis son plan à exécution et il continue de le faire. Il a envoyé son Fils. Jésus-Christ avait été prononcé et annoncé pendant 5000 ans. Dieu est un planificateur. Il est important de noter que les desseins de Dieu ont créé ses plans et que ses plans ont produit son œuvre et qu'il travaille sur son plan et que son dessein a été accompli. Si vos plans pour l'année dernière ont échoué ou n'ont pas été réalisés, imitez Dieu. Qu'a fait Dieu lorsque ses plans ont échoué? Il a fait de nouveaux plans. Notez ceci. Si vous n'avez pas de plan, vous ne pouvez pas changer votre plan. Dieu ne changera jamais son but, mais il peut changer ses plans. Les plans sont modifiables, mais jamais votre objectif. Dieu n'a pas paniqué après la chute de l'homme. Il avait simplement un autre plan. Permettez-moi d'insister sur un point important. Réaliser votre plan ou ne pas le réaliser ne signifie pas que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Je tiens à le préciser car beaucoup de gens pensent que si ça ne marche pas, alors ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas vrai. Savez-vous qui était le premier à échouer dans la Bible? C'est Dieu. Dieu n'échoue jamais. Il a échoué. Dieu a pris Adam, l'a mis dans le jardin et a dit, « Voici ma plus grande création. Tu diriges cet endroit. Tu domines cet endroit. Tu es mon homme. » Adam a tout gâché. Le plan de Dieu a échoué. Dieu ne l'avait pas prévu. Dieu a juste dit au diable, « Ok, pas de problème, la femme va avoir une autre semence et nous allons t'écraser la tête. Je vais reconquérir l'homme et nous allons récupérer le jardin. Pas de problème, tu peux faire tout ce que tu veux, mais nous allons ramener l'homme dans ce jardin. Maintenant, je vais être dominateur. D'une manière ou d'une autre, nous allons remettre les choses en place. » Dieu est en train de nous dire que si vous gardez votre objectif clair, vos plans peuvent changer. Mais n'ayez pas peur de changer vos plans. Gardez juste votre objectif et rendez-le permanent. J'accomplirai cette chose même si mes plans ont changé. Vous savez, j'ai entendu les gens dire, « Eh bien, je suis divorcé, maintenant les choses ne vont plus marcher. » Ce n'est pas vrai. Il suffit de faire un autre plan et d'épouser une meilleure personne. L'échec est une occasion de commencer à nouveau. N'abandonnez pas avant d'avoir gagné, car vous ne perdez que lorsque vous abandonnez. Jésus a souligné la nécessité de planifier nos vies et il a insisté pour que nous le fassions même dans notre décision de le suivre. Dans Luc 14, verset 27, il dit « Si quelqu'un ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il ne peut être mon disciple. » Au verset 28, il a dit « Supposez qu'un d'entre vous veuille construire une tour. Ne va-t-il pas d'abord s'asseoir, en estimer le coût et voir s'il peut la terminer? Est-ce que j'ai assez d'argent pour l'achever? » Jésus l'a dit. Verset 29, « En effet, s'il pose les fondements et ne peut pas les achever. Tous ceux qui le voient le ridiculisent et se moquent de lui. » Verset 33 du même chapitre. « De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. » En d'autres termes, si vous avez l'intention de faire quelque chose, asseyez-vous et planifiez. Ainsi, nous devons nous asseoir, il a dit. D'abord, la plupart des gens ne s'assoient pas. Nous ne consacrons pas de temps à nos rêves, pas de temps à nos visions. Nous sommes trop occupés à gagner notre vie pour trouver la vie. Éteignez la télévision, passez 3 heures de temps ce soir avec un bout de papier et dites, « Seigneur, je veux m'asseoir et élaborer un plan sur 15 ans pour ma vie, selon la vision que j'ai dans mon cœur. » Il faut s'asseoir pour faire cela. Et Jésus a dit, la première chose à faire, c'est d'abord s'asseoir. C'est difficile à faire. Ensuite, il dit faire des estimations.
C'est bien de faire des estimations. Combien ça va me prendre pour faire cela? Que dois-je accomplir pour y parvenir? Combien d'études dois-je faire? Quel niveau d'études dois-je avoir pour obtenir ce type d'informations dont j'ai besoin pour y parvenir? Vous devez estimer ce dont vous avez besoin si vous voulez être un visionnaire accompli. Ensuite, il dit que vous devez prévoir de tout donner pour le plan. Cela signifie que vous devez y aller de tout votre cœur avec tout ce que vous avez. Vous devez être prêt à mourir pour ce pourquoi vous vivez. Puis il a dit, la marque d'un bon disciple qui réussit, c'est un disciple qui travaille sur son plan et qui meurt pour son plan. Le premier endroit dans les Écritures où la planification est mentionnée, c'est par Dieu lui-même. Cela se trouve dans Genèse 11, verset 6. L'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Vous savez, il parlait de la tour de Babel. Si les gens ont l'intention de faire quelque chose, dit Dieu, et qu'ils s'y engagent, rien ne peut les arrêter. Et c'était si dangereux que Dieu lui-même a dû se lever et descendre. Il a dû arrêter le projet. Il souligne qu'ils font la planification. Ils l'ont planifié et Dieu s'est inquiété. Quand l'homme planifie quelque chose, cela fait trembler le ciel. La planification, deuxièmement, est mentionnée par Pharaon à Joseph, Genèse 41, verset 37. Le plan semblait bon pour Pharaon et pour tous ses fonctionnaires. Et les personnes qui prévoient d'être promues et élevées, parce que cela montre l'esprit d'autodiscipline et de vie précise, ces personnes seront toujours promues. J'ai découvert quelque chose, c'est que Joseph avait un plan pour Pharaon. C'est pourquoi il a été promu. Si vous voulez un emploi et que vous voulez progresser dans votre travail, résolvez le prochain problème pour votre patron. Proposez un plan alternatif pour que les choses aillent mieux dans le département. Je vous le garantis, ils auront un œil sur vous, car un planificateur sera toujours promu. Je le répète, un planificateur sera toujours promu. Parce qu'un planificateur est un visionnaire. Et un visionnaire est une personne qui s'automotive. Et c'est le genre de personne qui est promue. Joseph a fait des plans et il a été promu. Dieu a donné à Moïse un plan précis pour le tabernacle, n'est-ce pas? Moïse est descendu avec le tabernacle sur un morceau de papier tout tracé. Et la Bible dit au verset 26, verset 30, « Montre le tabernacle selon le plan que je t'ai montré sur la montagne. » Dieu a donné à Moïse un plan, pas un bâtiment. David déclare dans le Psaume 20, verset 4, « Qu'il te donne tout ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. » Que tout le monde dise « désir ». Et le désir se trouve où? Dans votre cœur. Faites sortir les choses de votre cœur et vos plans réussiront. Dieu ne fait pas réussir tes désirs, il fait réussir tes plans. Un plan est un désir documenté. J'espère que vous me comprenez ce soir. C'est très pratique. La prochaine fois que je vais vous voir, vous devriez avoir un paquet dans votre main et vous devriez dire, c'est ça, voici les 50 prochaines années de ma vie. C'est ce que je veux faire. Vous serez étonné de voir comment cela attirera les bonnes personnes vers vous, comment cela va attirer les bonnes ressources vers vous. Psaume 33, verset 11, « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Proverbe 12, verset 5, « Les pensées du juste sont d'équité, les desseins des méchants ne sont que fraude. » Dieu a un but pour chacune de nos vies. Nous avons tous été conçus et nous sommes tous nés pour une raison. Nous devons écrire cette raison sur papier. Elle doit devenir un plan. Je vais terminer avec un chapitre qui est vraiment devenu ma protection lorsque j'étais jeune et qui l'est encore aujourd'hui. Cela se trouve dans Proverbe chapitre 16. Dites à votre voisin, quelque chose est sur le point d'arriver. Proverbe chapitre 16. Je veux que chacun me regarde. Ce que vous êtes sur le point de lire, ce sont des instructions de Dieu pour vous. Cela expliquera également pourquoi vous n'avez pas encore atteint le niveau de réussite que vous devriez avoir en ce moment. Nous allons d'abord lire le verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Vous êtes peut-être assis et vous dites, je ne sais pas de quoi il parle. Première ligne, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme.
C'est très important d'écouter d'abord ce que je suis en train de dire. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Dieu est en train de dire que les plans sont de votre responsabilité. Mettre les plans sur papier est votre responsabilité. La ligne suivante, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Cela signifie que le financement, c'est le problème de Dieu. Une déclaration hébreuse intéressante. Il dit ici que les plans du cœur appartiennent à l'homme, mais Dieu donnera la réponse de la langue. Cela signifie que c'est Dieu qui est responsable d'expliquer comment cela va être accompli. Alors Dieu sait que le plan que vous n'allez pas mettre sur papier semble impossible. Toutes ces grandes choses que vous avez dans votre cœur, Dieu dit, mettez-le sur papier, n'ayez pas peur. Dieu dit, mettez le bâtiment sur papier. Il dit, non, ça peut faire environ 300, peut-être 20 millions de dollars. Pas de problème, mettez-le sur papier. Il dit, la manière dont cela va se réaliser n'est pas votre responsabilité. C'est ma responsabilité, a-t-il dit. À l'homme appartient le plan du cœur, mais à Dieu appartient l'explication de la façon dont cela va être fait. N'est-ce pas soulageant? Alors mettez-le sur papier. N'ayez pas peur de ce que ça va coûter. Je vous en supplie, je sais combien c'est effrayant. Certains d'entre vous rêvent des choses sérieuses. Dieu dit, mettez-les sur papier. Qu'est-ce que vous voyez et qui ne cesse de vous revenir à l'esprit? Quel est ce rêve qui ne veut pas vous laisser tranquille? Quelle est cette vision que vous avez du bâtiment ou du département ou de ce bâtiment en construction? Qu'est-ce que vous avez? Ce studio que vous possédez ou ce magasin de vêtements ou ce plan de fabrication d'uniformes scolaires ou je ne sais quoi? De quoi rêvez-vous? Dieu dit, je ne vous ai pas demandé de l'argent, je vous ai demandé un plan. Je vais vous expliquer les choses. Je vais vous dire comment cela va se passer. Regardez le verset 2. « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Lorsque vous mettez ce plan sur papier, vérifiez vos motivations. Est-ce juste pour devenir riche? Alors cela ne vient pas de Dieu. Les plans de Dieu ont toujours pour but d'aider les gens à devenir meilleurs. Si votre vision n'aide pas l'humanité, elle vient du diable. Tous les plans de Dieu ont pour but d'accomplir le dessein de Dieu. Vos motivations doivent être vérifiées. Verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Dieu veut que vous l'écriviez. Recommandez-les à moi et tout ce que vous ferez réussira. Verset 4. L'Éternel a fait tout pour un but. Même le méchant est impliqué dans le système. Oh, comme cela est émouvant. Dieu dit, écrivez votre plan. Je ne vais pas travailler avec vous sans plan. Si vous écrivez le plan et que quelqu'un se lève contre vous, vous devez tout simplement balancer le plan vers Dieu. Le cœur du roi est entre les mains du Seigneur. La politique gouvernementale dit que vous ne pouvez pas construire ici parce que le zonage est mauvais, c'est ça le problème. Nous travaillons pour résoudre le problème dans le système. Soyez patient. Dieu dit, soyez patient. Je vais enlever le gars qui est au pouvoir et le changer l'année prochaine. Dieu dit, je vais tout faire fonctionner. Même les méchants feront partie du processus. Mais d'abord, vous devez faire quoi? Écrire le plan. Verset 5. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Ne vous enflez pas d'orgueil dans votre succès pendant que Dieu travaille à travers vous. Verset 6. Par l'amour et la fidélité, le péché est expiré. Par la crainte du Seigneur, l'homme évite le mal. Cela signifie principe. Gardez votre vie en ligne avec les lois de Dieu au fur et à mesure que les plans se déroulent. Verset 7. Quand les voies d'un homme plaisent au Seigneur, il fait que même ses ennemis vivent en paix avec lui. Pourquoi? Si vous avez un plan, vous ne pouvez pas avoir d'ennemis. Dieu va faire de vos ennemis vos amis. Mais vous devez avoir quoi? Un plan. Mieux vaut un peu de justice que beaucoup d'injustice. Ne fais rien d'injuste sur ton chemin vers ton plan.
Prenez votre temps. C'est mieux de bien faire les choses. Commencez par bien faire les choses. Ne vous précipitez pas. Ne voulez pas de l'argent. Ne vendez pas de la drogue pour de l'argent. Ne vous faites pas sudoyer pour avancer dans la vie. Il dit de bien faire les choses, de faire ce qu'il faut, de prendre son temps et de respecter son plan. Voici le plus gros morceau. Dans son cœur, l'homme fait ses plans, mais le Seigneur dirige ses pas. Oh, wow. Listen to it. In his heart. Dans son cœur, l'homme fait ses plans, mais le Seigneur dirige ses pas. Pendant des années en tant que chrétien, j'ai prié pour que Dieu me dirige, tout comme vous le faites en ce moment. Avez-vous eu l'impression que Dieu ne vous dirige pas? Je n'entends pas la directive de Dieu. Je ne vois pas la direction dans laquelle Dieu me mène. Où est Dieu? J'ai besoin de Dieu. Dieu semble si loin. Le pasteur dit toujours que le Seigneur lui a parlé. Il ne me parle pas à moi. Il dit que Dieu le guide, mais Dieu ne me guide pas. Il y a des géants spirituels tout autour de moi. Seigneur, dirige-moi. Le Seigneur ne dirige pas les petits chrétiens comme moi. Loué soit Dieu. Je ne ressens pas la présence du Seigneur dans ma vie. Je ne ressens aucun leadership du Seigneur dans ma vie. Le verset vous dit quel est le problème. Le verset dit que le cœur de l'homme fait le plan et ensuite le Seigneur dirige les étapes du plan. Si vous n'avez pas de plan, Dieu n'a rien à diriger. Alors, vous avez prié pendant les 5 dernières années. « Oh Dieu, aide-moi !» À faire quoi? Je ne sais pas, mais aide-moi. « Oh Seigneur, bénis-moi !» Te bénir pourquoi? « Oh Seigneur, guide-moi !» Où? Et ceci est très sérieux. Dieu dit, si vous n'avez pas de plan, je n'ai rien à diriger. Si vous n'allez dans aucune direction, je ne peux pas vous diriger. Si vous voulez que le Seigneur vous dirige, attirez-le. Faites un plan. En tant que chrétien, un homme ou une femme ayant une vision, vous devez mettre un plan sur papier de tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Seulement 30% d'entre vous vont le saisir. Alors, je ne m'attends pas à plus de 30% des personnes. Si vous voulez que Dieu vous conduise et vous guide, alors vous devez avoir un plan sur papier. Dieu vous corrigera si vous avez quelque chose à corriger. N'ayez pas peur de vous engager sur le papier. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme fait un plan.